perdu. Allez, vas-y. Oh, c'est dernier. Quel mec, c'est dernier. C'est dernier. Sauf lui, malin. Il a trop de bon moment. Il faut le bon moment. La nuque. Cinquième et dernier rond. Quel mec. J'en prends un. Ah, laisse tomber. C'est la petite. Mets la petite place. Dernier rond, regarde. Coup de coude. Inspire. Ah, super. Et le travail en bas. Et là, il tombe sur le coup. On sent bien qu'il est encore le front kick et le coude. Il a 3 KD. Au prochain, c'est arrêt du combat. Hein. Non, mais il a touché dans les couilles. Il a 3 KD. Non, mais ça, c'est Johan Fauvo, ici, qui le sent et qui le fait plier. Ah, c'est net. Il plie, là. Ça fait 3. Toujours cette région du foie hein, qu'il a beaucoup cherché, Johan, et qu'il a trouvé. Voilà, c'était limite. C'était limite. C'est bon, le rig, il est réparé, là. Hein, c'est à ce niveau-là. Cinquième et dernier en plus. Kamik. La jambe droite saigne, mais ça a l'air d'aller. Il n'a pas l'air de boiter, Michael Piccitello. La cinquième et dernière reprise de ce combat entre Johan Fauvo, short blanc, Michael Piccitello, culotte rouge. Ah, et toujours beaucoup de marques de respect entre les deux hommes, mais ils ne vont pas s'épargner, car maintenant ce sont les derniers instants. Il faut rester vigilant. Et vous l'avez entendu dans le coin de Michael Piccitello, perdu pour perdu, il faut y aller. Oh là 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 là. Ouais. Mais quel mental! Il est incroyable, hein, Jean-Paul. Parce qu'à chaque fois, il revient de nulle part. Enfin, on a l'impression qu'il va. Et il est revenu. Il a été compté plusieurs fois. Et à chaque fois, il a retrouvé sa lucidité. Incroyable. Ah, il a un moteur psychologique qui tourne à un régime supérieur à la moyenne, c'est clair. Michael Piccitello. Alors vous voyez hein, sur le short de Johan Fauvo, Gatti bien sûr, et puis les couleurs, rouge, blanc et vert. Alors c'est pas pour l'Italie, hein, c'est pour le Mexique, pour les guerriers mexicains. Exactement. Oh là là, et le tibia là qui est complètement ouvert de Michael. Et à chaque coup, je peux vous dire, hein, il y a et puis il y a aussi le sang qui gicle systématiquement. D'ailleurs, vous voyez, vos belles fiches, Philippe, elles ont un petit peu rougi là. Et puis il n'y a pas que les fiches. C'est une bonne soirée pour les teinturiers. Hein. Oh là là, c'est impressionnant. Très impressionnant ce match. Quand on dit aller jusqu'au bout, eh bien, on en a la démonstration. Ils vont peut-être même encore plus loin, Jean-Paul. Hein, parce que franchement, ce que nous ont donné ces deux-là tout au long de ces 5 rounds, c'est incroyable. Et Michael Piccitello qui reprend son pressing. Et attention, parce que maintenant ça se reverse. C'est Johan Fauvo qui se remet à avancer et qui délivre ses coups. Coup de poing. Oh, il a mis une série là, Johan Fauvo. Et encore les low kicks qui continuent malgré sa blessure. Allez, Johan, à toi! Oh, en bas encore. Le travail au corps de Johan Fauvo. Il n'en a pas beaucoup fait depuis le début de cette cinquième reprise. Eh bien, c'est revenu. L'arbitre qui intervient, attention, c'est la dernière ligne droite, c'est maintenant. Ouais. Et en bas. Et le coup de coude. Et le coup de genou. Ah, Johan Fauvo qui aurait eu un départ prudent, mais alors la fin, il est monté en puissance tout le temps. Oh là 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 là, quelle série pour Johan. Oh, et le percut qui est arrivé. Oh. Et la fin de cette cinquième reprise, cinquième et dernière reprise. Ils n'y croient pas eux-mêmes que c'est terminé. Oh là 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 là, quel combat, mesdames, messieurs, entre ces deux guerriers. Ils sont allés au bout d'eux-mêmes et peut-être même au-delà, Jean-Paul. Ah voilà, oui, il a fallu se sublimer, il a fallu aller chercher dans les ressources cachées. C'est la marque des très très grands combattants. Regardez-les hein, au milieu du ring après, qui discutent presque comme incroyable. Des vieux potes. Incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Quel combat nous ont livré ces deux-là. On vous dit que dans la catégorie des 71 kilos au niveau français, vous avez vu le petit geste de dépit de